vous voici dans la ville d'Amiens, réputée pour sa cathédrale et ses ortillonnages. Aujourd'hui, nous découvrons un métier artisanal, un métier de passion, le métier de luthier. Il trouve ses origines au XVIe siècle, en Europe, et à travers des années a connu diverses méthodes. Alors, je m'appelle Mathieu Bricheux, j'ai 40 ans, je suis luthier à Amiens. Je fabrique, je répare, j'entretiens des violons, alto, violoncelle, contrebasse. Je fais aussi de la location d'instruments. Donc je suis ici depuis une dizaine d'années. J'ai été étudiant en Angleterre, près de Nottingham, et je suis resté 5 ans dans cette école pour fabriquer des guitares classiques et ensuite violon, alto, violoncelle. C'est un métier artisanal, tradition de travail qui date d'il y a très longtemps. C'est, les méthodes qu'utilisait Stradivarius, on les utilise toujours. Pour fabriquer un violon, il y a plusieurs choses. On commence par fabriquer un moule qui va correspondre au contour de l'instrument. Je vais venir ajuster les éclisses. Alors les éclisses, c'est les côtés de l'instrument. Ensuite, quand on a le contour de l'instrument, on le crée sur un morceau de bois. Voilà, j'ai un bout de bois, on voit bien que ça vient d'un arbre et tout ça. Et en fait, je reprends ce contour, je le redessine sur mon morceau de bois. On commence par ébaucher avec une gouge. C'est vraiment la forme de la voûte qui va déterminer la sonorité de l'instrument. C'est le point de départ. On ne pourra plus le modifier après. Par nature, en fait, ce métier, il est du développement durable. Vous voyez, par exemple, ce violon-là, il a été vraiment cassé beaucoup. Mais je vais tout faire pour le réparer. Essayer de maintenir en état le plus longtemps possible les instruments, ça exige une certaine éthique, un respect de ce qui a été fait avant. Donc on ne peut pas plus durable, c'est-à-dire que les Stradivarius, ils ont 300 ans et plus. Il y a des violons qui datent d'encore avant. Du coup, ouais, c'est un développement très durable. C'est dans les petits détails en fait qu'on va exercer son art.